Bonjour à tous et bienvenue dans On se mêle de tout. On se mêle de tout reçoit ce matin Mukhtar Sacko du groupe Instinct Killer. Alors ce matin je le reçois, c'est pour parler d'une rumeur qui court après Mukhtar. Déjà, on va aller très vite. Il fait très froid, je ne vais pas trop le retenir dehors. Mukhtar, comment vas-tu? Ouais, ça va bien, super bien. Mukhtar Sacko et le Stabak pour les fans. Et le froid, tu supportes ou pas? Ça caille. Eh bien, ça caillotte, chose qui est confirmée par Mukhtar aussi. Alors, je le rencontre ce matin, c'est pour en débattre un peu d'une rumeur qui dit que ta présence à Paris est liée à une femme et que tu n'aurais même plus envie de retourner à Conakry. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Non, je sais, les gens ils n'arrêtent pas de gueuler, ça gueule partout là, you know, c'est pas seulement à Conakry. Oh bah ouais, fait, you know. Nous, c'est pas ça actuellement notre vocation primordiale. Instinct Killer, notre vocation, c'est de promouvoir la culture guinéenne, c'est de vendre notre culture, notre image là sur le plan international. Pas venir en Guinée ou en Europe pour s'exiler ou partir en Amérique pour s'exiler. Je suis là dans un cadre professionnel, je suis là pour mon groupe, je ne suis pas là pour me marier. Bien sûr, je vais me marier, c'est normal comme tout le monde. Mais pour l'instant, là, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour des trucs professionnels, pour Instinct Killers, pour la musique urbaine. You know, ben arrêtez de parler un peu. Arrêtez de parler. Donc voilà ce qui est clair pour tout le monde. Mukhtar Sacko, il est là par rapport à la promotion de la culture guinéenne hors de ses frontières, par rapport à la promotion de son groupe Instinct Killer. Moi d'ailleurs, je l'appelle en ce moment Monsieur Colocati parce que c'est un titre qui cartonne fort fort. Alors, voilà ce qui est bien clair pour vous. Alors, il n'est pas là pour une femme, c'est pour la promotion de notre culture guinéenne. Alors, on se reprend très vite. La rétrospective People, ça continue avec Madu. Merci à Dino Keita et Lil Sacko Bamba. En gros, Lil Sacko, de toute façon, il n'aime pas les rumeurs. Il a fait à sa façon pour vous répondre. Et bien, même